En France pour faire un temps de séjour, un temps où je voulais faire une pause dans mon travail. Et je suis venue faire une formation biblique et théologique à l'abbaye d'Hautecombe. Et c'est pendant ce moment-là que j'ai senti que le Seigneur, il m'a vraiment parlé, qu'il était vraiment présent. Parfois, par exemple, quand quelqu'un me disait « Ah, mais c'est très bien le plat que tu as fait », je me disais bah, « Soit il se moque de moi, soit il est trop gentil, il ne veut pas me dire que c'est pas bon. » Pour moi, ce n'était pas possible que quelqu'un me dise que je suis bien. Je pouvais répondre avec un grand sourire sans rien dire. Mais dans mon cœur, je ne l'acceptais pas. Je ne comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre que vraiment, je peux être une bonne personne. Mais c'est quelque part un mécanisme que j'avais, parce que dans mon histoire familiale, il y avait du dénigrement, parce que dans la société, en fait, on a envie de voir une personne parfaite. Donc quand on n'est pas au bon niveau, ben, on est vraiment nul. Donc il y avait plein de choses qui ont fait que, en fait, j'avais un mécanisme de dire que c'est nul tout le temps, que je suis nul tout le temps. Je ne suis pas à la hauteur. Dans la communauté, ils m'ont proposé de faire un cycle qui s'appelle un cycle Siloé, une année où on fait des retraites pour relire nos vies, pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas et pour mieux suivre le Seigneur. Et c'est pendant cette retraite-là que j'ai pu visiter en fait mon histoire avec le Seigneur. Ce qui est important, c'est que j'ai cru que le Christ, il m'a vraiment guéri et il m'a vraiment libéré, et qu'il est toujours là et qu'il m'aime toujours tel que je suis. C'est son regard qui me rend aimable et capable. Dans notre vie de tous les jours, nous faisons parfois l'expérience que nous manquons de liberté. Nous pouvons nous sentir comme coincés par une attitude ou une pensée intérieure qui nous dépasse et qui prend le dessus. Cela peut se manifester sous la forme d'une réaction disproportionnée devant telle ou telle situation, par exemple par une réaction de colère ou bien une réaction d'enfermement ou encore une réelle difficulté à faire confiance. Et malgré tous nos efforts, ces attitudes reviennent et nous finissons par cesser de lutter contre ces mêmes péchés, ces mêmes esclavages. Toutes ces situations peuvent être le signe que nous n'arrivons pas à nous emparer réellement de la liberté qui nous est offerte par le Christ, et donc le signe que nous avons besoin de délivrance. Paul le dit dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 1, « C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. » Le mot même de délivrance peut paraître étrange pour certains. Il y a des pays où on en parle peu, dans les églises. On pense que cela ne nous concerne pas, ou bien de manière exceptionnelle, en pensant uniquement à l'exorcisme. Dans d'autres pays, dans d'autres lieux, on a davantage conscience de la réalité spirituelle qui nous entoure, c'est au contraire très présent. Ce mot peut aussi faire peur, il faut le dire, on pense tout de suite à quelque chose de spectaculaire, renforcé par un imaginaire développé dans une série de films. Mais la délivrance, la libération, trouvent leur fondement dans le ministère de Jésus, qui est venu pour libérer tout homme, toute femme. En inaugurant son ministère public, dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus proclame qu'il vient accomplir cette parole d'Isaïe.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. Nous avons donc besoin d'être délivrés du mal. C'est ce que nous demandons chaque jour au Seigneur dans la prière du Notre Père. Et ce n'est pas une force abstraite ou une énergie négative que le Notre Père désigne comme étant le mal. Il s'agit ici du malin en personne que l'Écriture connaît sous le nom de tentateur, de père du mensonge, de Satan ou de diable. En résumé, la vie chrétienne comporte un combat spirituel et la délivrance des esprits mauvais fait partie de la mission que Jésus a confiée à son Église. Following the conference on the deliverance ministry in Rome in 2014 organized by the ICRES, International Service of Catholic Charismatic Renewal, which brought together theologians and practitioners from around the world, the document The Ministry of Deliverance was published. The ICRES, an organization recognized by the Holy See since 1993, is responsible for providing the link between worldwide Catholic charismatic renewal and the church authorities. Dr. Mary Healy, chairwoman of the ICRES Doctrinal Commission and professor of Sacred Scripture at the Sacred Heart Major Seminary in Detroit, Michigan, and Father Etienne Vetter, member of the Chemin Neuf community and professor of theology at the Pontifical Gregorian University in Rome, are the main writers of this document. La rédaction de ce document a aussi été un événement ecclésial. D'abord parce qu'on a travaillé avec des théologiens aux États-Unis, en Inde, en Allemagne, et des praticiens aussi de tous bords, de pas mal de pays différents. Donc ça a été une occasion de travailler en unité et puis de se rendre compte à quel point, sur le fond, au cœur, nous vivions la même chose et nous pensions la même chose. Alors la manière de faire peut différer, mais le cœur était le même. Et nous avons été très frappés, parce que nous en avons parlé à des autorités ecclésiales, nous avons été très frappés par l'accueil positif. Alors bien sûr, il y avait aussi un certain nombre de réactions qui disaient « mais arrêtez de parler d'esprit mauvais, c'est de la superstition, c'est un peu primitif comme pensée ». Il me semble que le plus important, c'est de dire la Seigneurie du Christ, la puissance de liberté qu'il veut nous donner et l'efficacité de son action pour nous délivrer. Et qu'on n'a pas toujours besoin de comprendre exactement à 100% de quoi on est libéré. Le péché reste un mystère, les forces du mal aussi. Mais il est aussi important en notre temps probablement de retrouver un discours simple mais cohérent sur ces puissances du mal. What we see in the New Testament is that not only are demons active in a few very troubled demon-possessed individuals, but in some sense in all of human society, in all of human life. So Jesus calls Satan the ruler of this world. Saint Paul calls him the god of this world. And the first letter of John says that the whole world is in the power of the evil one. So every one of us is in some way affected by the malignant influence of evil spirits. Scripture tells us a lot about how Satan works. He works through temptation to sin. He works through deception, making good appear evil, making evil appear good, making God out to be an enemy, making us think we can't trust God. Satan works through fear. He fills us with all kinds of fear of physical calamities, but also subtle fears,
fear of opposition or failure or human disapproval. And whenever we allow ourselves to be ruled by those fears, we can end up placing ourselves under the influence of evil spirits. Their influence in human lives is due to sin. Jesus says, whoever sins makes himself a slave to sin. So every time we choose to disobey God, we place ourselves in some way under the influence of evil spirits. But the good news is that Jesus, by his death and resurrection, has defeated Satan, and we can share in his victory. The Gospels give us many beautiful accounts of Jesus' activity of casting out demons, and each one shows us something unique. For instance, in the casting out of a demon from a man in the synagogue, we see from the people's response that they're astonished. They say, a new teaching. He casts out the demons with a word. And that shows us that it's Jesus' teaching of the truth, his proclamation of the word of God, that in itself has a power to free people from captivity to evil. Because spiritual oppression is very often rooted in lies and deception. C'est un grand mystère. Comment est-il possible qu'un esprit extérieur à nous, qui n'est pas nous, puisse influencer notre volonté, puisse toucher notre liberté? La majorité des théologiens, à travers les siècles, a, à mon avis, très justement, affirmé que, en fait, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le diable et les démons peuvent toucher notre imagination, peuvent toucher nos émotions, donc ils peuvent insuffler la peur, ils peuvent insuffler des images qui vont faire peur, ou bien qui vont nous faire tomber dans la désespérance, ou bien qui vont nous attirer. Mais ils ne peuvent pas directement toucher notre intelligence et notre volonté. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'un marionnettiste fait avec une marionnette. Par contre, ce qui se passe, c'est que ces craintes, cette peur, cette désespérance, ces différents éléments peuvent nous entraîner à des réactions, des structures de comportement. Par exemple, je vais m'isoler chaque fois que quelqu'un me fait du mal ou que je perçois un mal, ou bien j'ai été blessé par... une femme, par exemple, aura été blessée par un homme ou par plusieurs hommes et donc va entrer dans une sorte de réaction spontanée de haine vis-à-vis des hommes. Et là, l'esprit mauvais va accompagner ce mouvement, va le renforcer et va peu à peu mener à un consentement. Et ce qui se passe, c'est que par le consentement qu'on a donné à la structure de comportement, au mensonge et à l'esprit qui rôde derrière, ou aux esprits qui rôdent derrière, la volonté est liée. Il n'y a pas vraiment de meilleur mot que liée. On peut dire aussi paralysée. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on veut la mettre en œuvre et que rien ne se passe. On peut se poser la question de qui peut exercer la délivrance, la prière de délivrance ou plus généralement la délivrance. Et je distinguerai l'exercice, un certain exercice de la délivrance et puis un ministère de délivrance, qui n'est pas exactement la même chose. Un certain exercice de la délivrance, ça c'est ouvert à tous. C'est une autorité qui nous est confiée par le Christ à tout baptisé, à tout chrétien, à tout croyant. Le signe le plus évident de cela, c'est que le Seigneur, Jésus, a envoyé les apôtres chasser les esprits mauvais, mais dans Luc, par exemple, 10, quand il envoie les 70, c'est-à-dire ceux qui sont à l'image, le modèle de tous les disciples, eux, quand ils reviennent de mission, ils disent « Nous avons vu, nous avons chassé des démons en ton nom. » Et Jésus répond « J'ai vu le diable tomber du ciel. » Et donc c'est le signe que les disciples, tous les disciples, avaient reçu autorité au nom de Jésus de chasser les démons, et que Jésus est confirmé et il était en accord avec cette pratique.
Et à la fin des évangiles, quand il y a l'envoi en mission pour aller baptiser les nations, prêcher et chasser les démons. Et ça, c'est un envoi en mission pour tous. Il y a beaucoup de manières de vivre la pratique de la délivrance, beaucoup de manières de prier pour la délivrance, et il n'y a pas un seul modèle possible. Mais il me semble qu'il y a au moins deux aspects qui devraient vraiment se retrouver toujours. Un aspect, c'est la renonciation, et l'autre aspect, c'est l'ordre direct donné à l'esprit. Ou bien en tout cas, une parole de commandement. La renonciation, c'est que la personne qui est liée, à un moment, soit spontanément, soit sous invitation de la part de ceux qui sont en train de prier avec lui, disent « je renonce à, par exemple, je renonce à cet esprit d'isolement, je renonce à cet esprit de haine, ou bien je renonce à mes comportements de haine, ou je renonce à, etc. » Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que, finalement, ce qui va ouvrir la porte à l'esprit, c'est mon consentement. Et c'était moi qui consentais. Et donc, je vais faire appel à cette même liberté que le Seigneur me donne, qui est touchée par la grâce, on le croit, par le baptême, par les vertus théologales, par la vie chrétienne, avec cette volonté, je vais faire marche arrière et je vais renoncer à ce à quoi j'ai consenti. C'est moi qui ai laissé entrer, c'est moi qui suis chargé de faire sortir. Alors, par contre, comme nous croyons dans ces cas de lien qu'il s'agit pas simplement d'une fragilité, mais réellement de la présence d'une force du mal, d'un esprit, il ne suffit pas de renoncer, il faut aussi commander à cet esprit de partir. Et là, aussi, il y a plusieurs manières de faire. On peut soit demander au Seigneur de chasser cet esprit, « Seigneur, chasse cet esprit », ou soi-même dire à cet esprit de partir. It really started with a personal encounter with the Lord. I was baptized in the Holy Spirit in January of 1970. Over the years, I began to realize that I wasn't as free as I'd like to be. And at that time, people that prayed for deliverance only prayed for people that were severely demonized, that had big problems. And so whenever I would ask somebody to pray for me for deliverance, they would say, oh, don't give the devil too much attention. And they looked at my life and they could see that I prayed every day and I was serving the Lord and nobody wanted to pray for me. So I had to wait for almost 15 years before somebody said yes. So this one day I was at a conference and the Lord really touched me and he renewed me in worship. I wept for the first time and that I could remember just because he loved me. And I saw this man that I knew prayed for deliverance. I went up to him and I said, would you pray for me for deliverance? I always thought I needed some freedom. And he said, well, what makes you think you need deliverance? And I said, here we go again. but this time I said to him, I said, you know, before a spiritual event, oftentimes my back would go out. And before I came to this conference, my back acted up. And I spent the first couple days of the conference in the back of the room laying on the ground. And he said, okay, so I'll pray for you. He prayed, and then he said, do you feel that? And I felt something right here. And I said, yes, I feel that. But in my head, I was thinking, that's not of that, that's me. And then he asked, what happened to you? And I didn't really respond from my memory. I responded to his authority in the question he asked. And I said I was humiliated in front of the class in first grade. The next thing I remember is that he said, in the name of Jesus, I command the spirit of rejection to leave. And I felt this thing that was
that I thought belonged here just kind of gently lift off my head. And so I experienced what it means to be set free, what it means to be delivered. And yet it took a number of years before I learned how I could give this away to other people. Neil Lozano of Philadelphia, Pennsylvania, is Catholic. He's the founder of the Ministry of the Heart of the Father and author of Unbound, A Practical Guide to Deliverance. He was one of the main speakers at the conference on the issue, attended by 400 people from different churches and led by the Chemin Neuf community in Tigery, near Paris, France. I'm best known for my book, Unbound, A Practical Guide to Deliverance. It's published in numerous countries and languages. In that book, I talk about the five keys. And the five keys are repentance and faith, forgiveness, renunciation, authority, and the Father's blessing. So the image that I use in the book is that if you picture a door with five locks, and you have five keys, but you just use two or three of them, the door stays locked. But if you use all five, the door opens. So there's a way in which all these five keys fit together in a beautiful way as we minister to people. So sometimes when we teach about repentance and faith, people think only about repentance. But Jesus joined when he came in from the desert. He proclaimed, "The kingdom of God is here. Repent and believe." He connected the two together. So there's one action of conversion. It's turning away, renewing your mind, and embracing the truth. So we will lead people, even those that have a commitment to Jesus. We will give them an opportunity. We'll say, "Would you like to pray a prayer of surrender to Jesus today?" Or if they've never had that opportunity, we'll say, would you like to commit your life to the Lord? And would you like to embrace him as your Savior? The second key is one of the most significant ones, is forgiveness. A lot of people, most people know that they need to forgive. But a lot of people are stuck. They don't quite kind of get freedom, the freedom they need when they should get when they forgive in Jesus' name. And so we listen to the story and then we'll help them to pronounce forgiveness. And so we might say, "In the name of Jesus, I forgive my dad for choosing alcohol over me. I forgive him for his angry words. And I forgive him for being emotionally absent from me. I forgive him for not being the dad I needed him to be. And I forgive him for the way he treated mom, especially when he yelled at her and hit her." You know, whatever the story might be, you know, when someone is able to tell their story, sometimes that itself opens up and validates their story so that they can forgive. I remember this one man I prayed with not too long ago. And I said, "You know, when you're alone in your thoughts, what kind of negative thoughts come to your mind?" And he said, "Well, I think I'm a loser and I'm never going to amount to anything." And then I said, "Did anybody ever say that to you?" And he thought for a moment, he said, "My dad spoke those words." And you know, sometimes words have power. And when words are spoken, even if they're isolated, they can stick. So recognizing the lies, recognizing the strategies of the enemy, and just speaking out loud and saying, "In the name of Jesus, I renounce self-hatred. In the name of Jesus, I renounce loneliness.
and isolation. In the name of Jesus, I renounce sadness. In the name of Jesus, I renounce shame. In the name of Jesus, I renounce the lie that something's wrong with me. In the name of Jesus, I renounce the lie that everything's my fault. In the name of Jesus, I renounce the lie that I have to be perfect to be accepted. You know, so there's as many lies as there are people, and as many different lies as there is our imagination. If it doesn't line up with God's word, it doesn't line up with the truth, then we can renounce it. The fourth key is authority. And I find that a lot of Christians don't understand that they have authority. In the scriptures it says that we have been given the power. Another translation of that word is authority. We've been given the authority to become the children of God. And we have authority over anything that God has given us responsibility for. And one of the things that we know that he's given us responsibility for is our own souls and our own lives. And we shouldn't be bashful about knowing that we can speak in the name of Jesus to break the power of the lies that we've believed and command any spirit that's attached to them to leave. And the fifth key is the Father's blessing, which is something that I needed to learn over the years. Something from the very beginning of my walk with Jesus. Jesus began to show me the face of the Father. So many of us want to be free from things, but we'll never understand the full freedom Jesus won for us until we understand what he's bringing us into, which is the love of the Father, the heart of the Father. To me, deliverance is about freedom. Jesus said to Peter, "You are rock, and on this rock I will build my church, and the gates of the netherworld will not stand against it." That tells us that Satan is on the retreat. The church is on the offensive, just as Jesus was, against the kingdom of darkness, taking ground from the kingdom of darkness. So no Christian should feel like we are fleeing in terror from the advance of Satan. Je peux dire que dans mon ministère de ces dernières années, et puis aussi dans la rédaction de ce document, j'ai pris de plus en plus conscience de la simplicité de ce qu'était la délivrance. C'est quelque chose de la vie quotidienne, et puis c'est très simple. Et c'est très très simple. Et je me rends compte que assez facilement, même en marchant dans la rue, tout d'un coup je me sens assailli par une pensée, et puis au bout d'un moment, on commence à connaître ces démons personnels. On commence à connaître les pensées qui nous viennent. Je la reconnais et je dis, je renonce. Et je continue à marcher et tout se passe bien. Deliverance ministry has also become a more important part of the prayer ministry that I do when I'm praying over people. I have a deeper consciousness of the fact that evil spirits very often are playing a role when someone is in some way oppressed or depressed or feeling that they're in bondage in some way. And I have a greater sense of the authority that all baptized believers have in the name of Jesus to resist the evil one, to cast out demons, to tell them that they have no place in those who have been purchased by his precious blood. And so I'm more confident of his victory and our share in his victory. Comme le disait le grand pasteur Thomas Roberts, il faut croire en un très grand Jésus et un tout petit diable.
un très grand Jésus et un tout petit diable. Et puis moi, je rajouterais, il faut croire en un très grand Jésus, et puis il faut savoir qu'existe un tout petit diable, parce qu'on ne croit pas au diable. Donc, ils sont vaincus, ils sont petits par rapport à la puissance de salut du Christ, mais ils existent, et si on refuse trop leur existence, alors vient le risque pratique de superstition et de finalement leur laisser la porte ouverte d'un autre côté. The evil one wants to make us think he's more powerful than he is. He's lost. He's a loser. And even the gates, the last stand of an army against an advancing army, even the gates of the netherworld will not stand against the church in the power of the name of Jesus overcoming evil. From the letter to the Colossians. Let us give thanks to the Father for having made you worthy to share the lot of the saints in light. He rescued us from the power of darkness and brought us into the kingdom of his beloved Son. Through him we have redemption, the forgiveness of our sins. Lord Jesus, you who have come to save us and have already won the victory over evil, open our eyes to all the ties that bind us. Come and deliver us. Help us to be aware of the authority over evil spirits that you've granted us at our baptism. May the Holy Spirit lead our churches in deliverance ministry, which so many people in the world today urgently need.